On aura Alpha de Guinée matin, on est en direct là. Ah, on peut vous recueillir vos impressions à chaud? Ah non, il faut dire que nous nous félicitons de cette marche qui est en train de se dérouler. Malgré les interdictions illégales et fantaisistes par le premier ministre du gouvernement et le ministre de l'administration du territoire. Vous voyez la foule, le peuple de Guinée est en train de dire à Alpha Condé, en train de dire à Kastori Kopana, à Bourema Condé, à Damaro Camara, de faire halte aux assassinats ciblés, que nos libertés ne seront pas confisquées, que la souveraineté du peuple ne sera pas confisquée. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fiers. Et vous savez que le président Sellou Dalé n'est pas en Guinée, mais l'UFDG et l'opposition, ce sont des institutions qui fonctionnent. Merci. Et on a vu des problèmes avec Mouktar Badouerevi. Et voilà, quel est votre commentaire là-dessus? Oui, mais vous savez, les commentaires, vous savez que Martine Condé, présidente de la HAC, a été prise en flagrant délit de mensonge. Elle a menti sur Mouktar Ba. Ce que Mouktar Ba aurait dit, ce n'est pas vrai. Mouktar Ba dit de tenir les preuves de ses allégations, les preuves de sa communication sur RFI. Et quand Martine dit qu'il n'y a pas eu de recoupement, RFI a rappelé que le commissaire de police, M. Mohamed Kassé, a eu la parole. Ils ont même sorti l'interview avec RFI. Donc une fois encore, c'est l'acharnement habituel contre Mouktar Ba à cause de son patronyme Ba, parce qu'il est considéré tout seul et considéré comme militant de l'UFDG. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai salué la réaction de Radio France Internationale qui a dit déplorer cette attitude de la haute autorité de la communication et qui renouvelle sa confiance à Mouktar Ba. Ok, merci beaucoup Nora. Merci bien. Ouais.